Les gars, je vais faire une dinguerie, je vais aller en prison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Actu Grec TBD, on va regarder une story de Sebidadi qui s'embrouille avec Adé Laurent. Et après la vidéo, je vous expliquerai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à on vous abonner. Tout de suite, hein. Regarde, on arrive là. Les gars, est-ce qu'il y a des gens qui ont les techniques pour se battre? Tout ce qui est jujitsu, tout ça, est-ce que vous avez des techniques, les frères? On va voir un deuxième. Deuxième bisou. C'est ma femme. Voilà. C'est ma femme. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Tu comprends ça? On est en couple, frérot. Il va falloir que tu y fasses. T'arrêtes de poster des vidéos pour adultes sur avec ma femme. Mais on vient de poster. On vient encore de poster sur. Allez voir. On vient encore de poster. Les gens, ils sont en train de dire on veut un vrai bisou. Le vrai bisou, il est sur. Eh les gars, le vrai bisou, on peut pas faire sur TikTok. Il y a des gens. Non mais, il y a des jeunes sur TikTok. Le vrai bisou, on l'a fait sur... Allez voir. Allez voir les frères. Allez voir. N'y allez pas. N'y allez pas. C'est un réseau social, c'est gratuitement censuré. Allez-y. C'est gratuit, zéro censure, gratuit sur Apple Store. Allez-y. Téléchargez l'application, allez voir notre vrai bisou avec Léa les frères. Vraiment. Mais oui. T'arrêtes de faire tac tac boum avec ma meuf. Mais je dis pas, on a on doit dormir ensemble ce soir. On n'a pas encore. On n'a pas encore. Les gars, je vais faire une dinguerie. Je vais aller en prison. Je suis désolé pour toute ma communauté. Je vais aller en prison, les frères. On arrive tout de suite, hein. Regarde. On arrive, là. Les gars, est-ce qu'il y a des gens qui ont les techniques pour se battre? Tout ce qui est jujitsu, tout ça, est-ce que vous avez des techniques, les frères? Ils sont là. La vie de ma mère, ils sont là. Ok. Bah vas-y. Bah vas-y, mon frère. Bah vas-y, sors de la voiture, il est là, sors de la voiture. Allez. Il est en live là? Ouais. Moi aussi je suis en live, frère. Eh bah ben, vas-y, comme ça on va le faire en live comme des vrais bonhommes. Eh, vas-y, on va parler comme des hommes. Eh, il est juste là. On parle. Vas-y, on va parler comme des hommes. Attends, je te filme. On va parler tranquille. Eh vas-y, mets-toi en live, mets-toi en live. Attends, je te filme. On va parler tranquille. Eh vas-y, mets-toi en live, mets-toi en live aussi, mets-toi en live. Eh, t'as vu ce qu'il a fait? Frère qui est là pour moi. Eh, y a mon frère qui est là pour moi. Y a Ludo, on parle tranquillement comme des bonhommes. Ouais, je bug de fou parce que j'ai pas de wifi. Je. Non, mais, hey, y a pas de trop. C'est toi qui chope Léa Marie, frère. C'est toi qui as chopé Léa Marie. Donc maintenant, on va parler comme des hommes. On va parler comme des hommes maintenant. Voilà, c'était la story de Sebidadi et Adé Laurent. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Sebidadi, c'était un influenceur qui a fait de la télé-réalité, tout ça. Puis, il s'est fait sauter son snap. Il a été ruiné à cause de Booba. Il peut plus faire de placement de produits à cause de Booba. Il s'est retrouvé au RSA. Léa Marie, sa femme, l'a quitté alors que c'est lui qui l'a fait percer. Elle l'a quitté et elle s'est mise avec son meilleur pote Adé Laurent. Donc, je trouve que ça se fait pas, tu vois. Même de la part de son pote, ça se fait pas. Il y a des tas de meufs, je pense. Pourquoi prendre la meuf de son meilleur pote? Donc, là, il est vraiment en hesse. Voilà, il est vraiment en hesse, Sebidadi, vraiment la descente aux enfers pour Sebidadi, c'est triste. C'est très triste de voir un influenceur, je l'avais rencontré en plus. Vous pouvez voir sur la chaîne Na06, voilà, dès que vous cliquez sur la chaîne Na06, vous descendez, vous avez les playlists, voilà, rencontre avec People. Je l'avais rencontré à Cannes, Sebidadi. Et maintenant, il est devenu infréquentable maintenant, voilà, il est au RSA, il a volé la montre de Léa Marie à 15 000 euros, il est capable de voler mes lunettes et tout. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la sorcellerie avec Danae, il paraît que maintenant, Adé Laurent, il n'arrive plus à...
Donc il y a un petit live, voilà, que je vais faire un petit live. Je peux pas avant le 21. Voilà, le temps que la fibre, elle revienne. Donc je ferai un live de 100 lives, voilà, et voilà. Donc il a été jusqu'à utiliser la sorcellerie, ce qui est très haram, c'est un grand péché, pour se venger de Adé Laurent. Donc il a fait appel à beaucoup de gens, des gens costauds, des gens en prison contre Adé Laurent. Donc on va suivre toute cette affaire de très près, sorcellerie, tromperie, tout ça, le cocktail explosif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.